Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Metro 2033. On n'est pas très loin de la fin et je venais me faire tuer par les enfants du chaos. Ok, si tu parles pas c'est bien. Je vous l'avoue, ce passage je le déteste. Alors, donc j'espère que vous allez bien, la pêche est déjà pas possible. Habitants du métro, nous avons attendu votre arrivée. Nous sommes ceux que l'on nomme les gardiens invisibles. Votre heure a sonné. Vous allez sentir notre courroux. Bullman, arrête tes conneries. Colonel, j'ai mis en route le haut-parleur. J'ai un signal sur le tableau gauche de ma console. Je vais l'activer. J'ai vraiment cru qu'il y avait des gardiens invisibles. Comment tu peux croire à ces conneries? Voilà. Et si tu nous faisais descendre peut-être là? Je sais pas. Hein. Mais c'est seulement si tu veux. Temps de chargement, mon ami. Bonne chance, les gars. On est tous avec vous. Putain, ils sont trop vite. Biomasse. En descendant au cœur de l'ancienne citadelle, je sentais mon âme frissonner. Quel homme pouvait revendiquer le droit de contrôler D6 et ses armes dévastatrices? Colonel, allez dans la salle du réacteur. Il y aura un réacteur principal au centre, à gauche de la salle des commandes. Un ascenseur descend au rez-de-chaussée. Là, vous devrez monter les escaliers. Activez le panneau avec le gros levier. Vous direz quoi faire ensuite. Oh mon dieu. C'est quoi ce bordel? What? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vladimir, si seulement tu pouvais voir ça. Prépare-toi, Artyom. Ça va chauffer. Oh, je me doute. J'ai besoin de venir pour ça. Arrête de lancer les grenades sur le réacteur, Artyom. On va les laisser là, au cas où. Cette merde sur le sol est sûrement toxique. Et en plus, il y a du gaz. On tiendra pas longtemps ici. Thank you.
je déteste ça. On se grouille de rejoindre le bunker. Rien que de voir ça, je suis malade. Ah, bah tu m'étonnes. La porte. Où est le levier? Ah. On m'a demandé de ça. On a réussi. Tu nous entends? Ah, je le savais. Le système est automatisé, colonel. Actionnez la commande. Plus facile à dire qu'à faire. Je pensais pas que ce serait si compliqué. Alors... moteur de démarrage du réacteur 1, 2, 3, 4. Ça a l'air simple. Un idiot pourrait l'utiliser. Enfin, voyons pour que ça marche. Oh, voyons. Tout va bien, colonel. C'est chargé à un quart. Mais il faut complètement recharger. Continuez. Merde. Bon, on pourra pas faire mieux. On y va. Suivant. Maintenant ce truc riposte, c'est de pire en pire. Bon, allez. Bon sang. Bon, tu me ouvres, enfin... Système d'activation manuelle hydraulique. C'est pas vrai. Artyom, tu vas avoir du mal à croire ce que tu dois faire. Tu vois la grue sur le toit? Arrive jusqu'à la cabine. C'est un système d'activation de secours avec un mécanisme de capture qui va nous aider à extraire les barres. Essaie de t'y glisser pendant que je distrais notre ami. Allez, on y va. C'est maintenant ou jamais! C'est exactement ce que tu nous as dit. Là, on va sortir. Allez.
Oh, c'est une blague. C'est quoi la solo? Zone de contact. Extraction de la barre en cours. Charge à la moitié. Où ça? Explique. Dedans. C'est pas vrai. On n'a pas de chance d'avoir perdu l'ascenseur. Dieu merci, dans le passé, ils construisaient tout en double. On devrait avancer par là pour l'instant. On reviendra ici plus tard et on terminera ce qu'on avait commencé. Il faut juste mieux se préparer. On va s'occuper de tes cendres d'abord. Changement de film. C'est juste ça que je veux faire. Je comprends pas. Ça marche. Bien sûr, il va s'écrouler à mon avis. Bon choix, colonel. Cet ascenseur vous enverra tout droit à la station. Tout baigne et tout est sous contrôle. Même si j'ignore pendant combien de temps. Retournez au point de départ. Pullman vous y attend avec un cadeau. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a, Pullman ? Attendez, si vous m'entendez bouger, c'est parce que j'ai hyper mal à la jambe. Écoute, Artyom. Notre héritage, notre futur, il y a tant de pouvoir ici. Grâce à ça, on va régner sur la Terre de nouveau. On n'aura pas à vivre comme des rats. Avec le feu et l'épée, on fera revenir le ciel et le soleil. On pourra revenir à la surface, au milieu des décombres, rebâtir les villes, et les tunnels du métro retrouveront leur gloire d'antan avec des trains rapides et argentés. Tout sera... Oui... Tout. Tout. Ouais, tout, ça me dit tout, là, franchement, tout. La séparation... Oh non, j'aime pas la séparation. Par le feu et l'épée, nous allions reconquérir notre monde. Melnik y croyait vraiment et était prêt à sacrifier sa vie. Mais le doute m'avait envahi. Nous avions déjà réduit la terre en cendres une fois. Maintenant, le feu était entre mes mains et je devais m'en servir. Donc... Comment c'est bon, j'ai plus un peu de mort. Si, c'est bon, ils sont pas morts, j'espère. Voilà Pullman. Je vois pas Pullman. Je vais travailler. Pullman. Ah là-bas. Alors colonel, ça fait quoi d'être un super-héros? Tu m'emmerdes.
merde avec tes blagues. Si t'avais vu ce qu'il y avait en bas. Ok, on se disperse pas. Avec Artyom, on va à Ostankino pour corriger la visée. Toi, tu restes ici et tu défends Vladimir. Je parierai pas sur nos chances de réussite, mais essaie de contacter nos gens et de demander des renforts près de la tour. Je resterai en contact. Les ordres sont clairs. Bien. Artyom, okay, on y va. Chef. Bonne chance, les gars. Cette arme. Artyom. Le système de guidage. Il se voit, là. D'accord, ça. C'est toujours la même histoire. Tu te mets dans la merde jusqu'au cou pour sauver le monde, et tout le monde s'en fout. Toujours la même histoire, comme tu dis. Chapitre 7, la tour. Melnik et moi avions quitté le train, puis on avait grimpé le tunnel qui menait au théâtre Korolev. On était arrivé près de la tour Ostankino. Là, au milieu des rues gelées, on avait rejoint les autres Rangers dans le combat féroce qui marquait le début de mon histoire. Restez cash! Surveillez vos arrières, les gars! Ok, ce sera plus dur qu'à la bibliothèque. Ah oui, c'est... Tu vas bien? La horde s'est dispersée. C'est la seule chance d'atteindre la tour. Suis-moi, Artyom. Ne t'arrête pas ici, c'est la horde. À gauche. À droite. Allez, je suis là. Go, go, go. Doucement, comme tu veux.
Essayons de trouver un moyen d'arriver en haut. Par ici. Ah, voilà, là c'est le signe. Je vais dire, j'appelle pour l'instant. Là, j'ai le signe. C'est bon, il vient d'ouvrir. Ah, je crois qu'il y avait un ascenseur, quoi. Plus facile à dire qu'à faire. Dire je dois le faire, c'est ça? Bon, j'ai une idée. On a qu'à grimper sur le toit de l'ascenseur. On essaiera de déverrouiller les contreparties de blocage. Ce jeu, il me fait peur à un certain moment, mais à un certain moment, pas du tout en fait. Donc là on fait un peu rapide comme ça ici. On va déjà faire. On va faire un peu rapide.
Ils sont par là. Oh là. La porte de la mort. Artyom, quelque chose brouille le signal. À toi, Artyom. À toi. Oui, je suis là pour vous détruire. Et alors ? Voilà, comme ça. Sur les tôles. Voilà, ici. Voilà. Et bien sûr, là je tombe. Là, si tu tapes, tu la touches E. Pas j'ai envie de dire. J'ai une là. Suicide. Ouais. Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Metro 2033. On n'est pas très loin de la fin et je venais me faire tuer par les enfants du chaos. Ok, si tu parles pas c'est bien. Je vous l'avoue, ce passage je le déteste. Alors, donc j'espère que vous allez bien là, déjà pas déjà pas. Allez, vas-y, attire toutes tes balles, l'ami. Habitants du métro, nous avons attendu votre arrivée. Nous sommes ceux que l'on nomme les gardiens invisibles.
Votre heure a sonné. Vous allez sentir notre courroux. Woolman, arrête tes conneries. Colonel, j'ai mis en route le haut-parleur. J'ai un signal sur le tableau gauche de ma console. Je vais l'activer. Putain, j'ai parti. Vraiment cru qu'il y avait des gardiens invisibles. Comment tu peux croire à ces conneries? Voilà. Et si tu nous faisais descendre peut-être là? Je sais pas, hein. Mais c'est seulement si tu veux. Temps de chargement, mon ami. Bonne chance, les gars. On est tous avec vous. Putain, ils sont trop vite. Biomasse. En descendant au cœur de l'ancienne citadelle, je sentais mon âme frissonner. Quel homme pouvait revendiquer le droit de contrôler D6 et ses armes dévastatrices? Colonel, allez dans la salle du réacteur. Il y aura un réacteur principal au centre, à gauche de la salle des commandes. Un ascenseur descend au rez-de-chaussée. Là, vous devrez monter les escaliers. Activez le panneau avec le gros levier. Vous direz quoi faire ensuite. Oh mon dieu. C'est quoi ce bordel? What? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vladimir, si seulement tu pouvais voir ça. Prépare-toi, Artyom. Ça va chauffer. Oh, je me doute. Je me prends bien pour ça. Arrête de lancer les grenades sur le réacteur, Artyom. On va les laisser là, au cas où. Cette merde sur le sol est sûrement toxique. Et en plus, il y a du gaz. On tiendra pas longtemps ici. Je déteste ça. On se grouille de rejoindre le bunker. Rien que de voir ça, je suis malade. Ah, bah tu m'étonnes. La porte. Où est le levier? Ah. On m'a demandé de ça. On a réussi. Tu nous entends? Ah, je le savais. Le système est automatisé, colonel. Actionnez la commande. Plus facile à dire qu'à faire. Je pensais pas que ce serait si compliqué. Alors... moteur de démarrage du réacteur 1, 2, 3, 4. Ça a l'air simple. Un idiot pourrait l'utiliser. Enfin, voyons pour que ça marche. Oh, voyons.
colonel. C'est chargé à un quart. Mais il faut complètement recharger. Continuez. Merde. Bon, on pourra pas faire mieux. On y va. Suivant. Maintenant ce truc riposte, c'est pire en pire. Oh, allez. Bon sang. Bon, tu me ouvres, enfin... Système d'activation manuelle hydraulique. C'est pas vrai. Artyom, tu vas avoir du mal à croire ce que tu dois faire. Tu vois la grue sur le toit? Arrive jusqu'à la cabine. C'est un système d'activation de secours avec un mécanisme de capture qui va nous aider à extraire les barres. Essaie de t'y glisser pendant que je distrais notre ami. Allez, on y va. C'est maintenant ou jamais! C'est exactement ce que tu nous as dit. Ce que tu nous dis. Là, on va sortir. Entrer dedans. C'est pas vrai. On
n'a pas de chance d'avoir perdu l'ascenseur. Dieu merci, dans le passé, ils construisaient tout en double. On devrait avancer par là pour l'instant. On reviendra ici plus tard et on terminera ce qu'on avait commencé. Il faut juste mieux se préparer. On va s'occuper de tes cendres d'abord. Changement de fil, c'est juste ça que je veux faire. Je comprends pas. Ça marche. Pas sûr, il va s'écrouler à mon avis. Bon choix, colonel. Cet ascenseur vous enverra tout droit à la station. Tout baigne et tout est sous contrôle. Même si j'ignore pendant combien de temps. Retournez au point de départ. Pullman vous y attend avec un cadeau. Ah bon ? Qu'est-ce qu'il a, Woodman? Attendez, si vous m'entendez bouger, c'est parce que j'ai hyper mal à la jambe. Écoute, Artyom. Notre héritage, notre futur, il y a tant de pouvoir ici. Grâce à ça, on va régner sur la Terre de nouveau. On n'aura pas à vivre comme des rats. Avec le feu et l'épée, on fera revenir le ciel et le soleil. On pourra revenir à la surface, au milieu des décombres, rebâtir les villes, et les tunnels du métro retrouveront leur gloire d'antan avec des trains rapides et argentés. Tout sera... Oui... Tout. Tout. Ouais, tout, ça me dit tout, là, franchement, tout. La séparation... Oh non, j'aime pas la séparation. Par le feu et l'épée, nous allions reconquérir notre monde. Melnik y croyait vraiment et était prêt à sacrifier sa vie. Mais le doute m'avait envahi. Nous avions déjà réduit la terre en cendres une fois. Maintenant, le feu était entre mes mains et je devais m'en servir. Donc... Comment c'est bon, j'ai plus un peu de... Si, c'est bon, ils sont pas morts, j'espère. Voilà Ullman. Je vois pas Ullman. Je l'ai cramé. Ullman. Ah là-bas. Alors colonel, ça fait quoi d'être un super-héros ? Tu m'emmerdes avec tes blagues. Si t'avais vu ce qu'il y avait en bas. Ok, on se disperse pas. Avec Artyom, on va à Ostankino pour corriger la visée. Toi, tu restes ici et tu défends Vladimir. Je parierai pas sur nos chances de réussite, mais essaie de contacter nos gens et de demander des renforts près de la tour. Je resterai en contact. Les ordres sont clairs. Bien. Artyom, okay, on y va. Bonne chance, les gars. Artyom. Le système de guidage. Il se voit là. D'accord, ça. Histoire comme tu dis. Chapitre 7, la tour. Melnik et moi avions quitté le train, puis on avait grimpé le tunnel qui menait au théâtre Korolev. On était arrivé près de la tour Ostankino. Là, au milieu des rues gelées, on avait rejoint les autres Rangers dans le combat féroce qui marquait le début de mon histoire. Restez calme. Surveillez vos arrières, les gars. Ok, ce sera plus dur que la bibliothèque. Ah oui, c'est ça. Je comprends pas la bibliothèque. Merde ! Feu à volonté ! Tenez la position ! Thank you.
Ah mais tu vas bien? La Horde s'est dispersée. C'est la seule chance d'un retour. Si loin, Tom. Ne t'arrête pas ici, l'esclande. À gauche. À droite. Allez, je suis là. Go, go, go. Oh, il vient d'ouvrir. Ah, je crois qu'il y avait un ascenseur, quoi. Ouais. Un moyen d'arriver en haut. Et un éternel optimiste humanique. Plus facile à dire qu'à faire. Dire, je dois le faire, c'est ça? Bon, j'ai une idée. On a qu'à grimper sur le toit de l'ascenseur. On essaiera de déverrouiller les contrepoids de blocage. Ça, il a
À toi, Oldman. On vient juste de repousser quelques démons. On continue de monter. À toi, Melnik. Melnik. Artyom. Artyom, Melnik, à vous. Tire. Ce jeu, il me fait peur à un certain moment, mais... À un certain moment, pas du tout en fait. Donc là, on fait un peu de rapide comme ça aussi. On a déjà fait. Bien sûr, là je tombe. J'ai envie de dire.